Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se trouve sur une zone qui était où la vigne marronne était très présente. Donc pourquoi on est ici? C'est pour vous montrer un peu les dégâts que cause la vigne marronne. Dans le fond, on peut voir en fait qu'elle est toujours présente, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'attaquer petit à petit, mais on voit des lianes sèches et on voit encore qu'il y a des feuilles qui sont vertes, etc. Donc on voit, comme la dernière fois que j'avais dit dans une vidéo, que la vigne marronne, elle va vraiment envahir son milieu et petit à petit monter en fait sur les arbres. Là-bas, on voit, il y a un fleur jaune, un acacia qui sont en train petit à petit d'être recouverts. Donc après, elle va les tuer si on fait rien, mais bien sûr, on va aller les justement nettoyer pour éviter ça. Et donc ici, sur cette zone-là, on peut voir que quand la vigne marronne est enlevée, donc nous, comment on fait? On va venir avec une débroussailleuse ou au sabre. On va nettoyer en fait ces zones à la débroussailleuse au sable et on voit qu'une fois qu'on a nettoyé ces zones-là, eh ben il n'y a rien qui pousse en dessous, enfin il n'y a rien en dessous, c'est vraiment la terre est quasiment à nu. Donc l'avantage c'est qu'avec notre technique, on crée un broyat qui va recouvrir le sol pour éviter qu'il soit vraiment mis à nu et que le soleil tape dessus et que ça fasse du ruissellement. C'est surtout pas, c'est ce qu'on veut surtout pas faire. Et en fait, quand on va nettoyer ces zones, on va avoir une technique avec une tôle qu'on va écraser en fait la vigne marronne parce qu'elle monte très haut pour qu'elle soit plus ou moins à hauteur d'homme. Et donc on va nettoyer ces zones et après qu'est-ce qu'on va faire dessus? Donc on va faire comme ici, on voit un peu de maraîchage. On a planté quelques brettes, quelques choux. Mais principalement, on va laisser en fait la forêt, en fait les plantes endémiques repousser petit à petit. Et nous, après, on va cuire en lisière, donc toute la lisière de forêt qu'il y a sur notre côté là ou là-bas, en fait, où on voit des fleurs jaunes, des amabiles, des champs écorces, des bois mères, etc. On va venir et on va cuire sur ces zones-là. Et après, petit à petit, on va voir des plantes endémiques pousser. Donc là, il n'y en a pas trop, hein, mais pas encore en tout cas. Donc là, on voit qu'il y a la vigne marronne qui repousse assez vite en fait. Et que on voit la mouche bleue qui avait été introduite pour lutter contre la vigne marronne, ou raisin marron, zépine, ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas on voit qu'ici elle prend pas trop la mouche bleue parce qu'on est trop en fait. Et on voit du brin gelé qui pousse, donc ça c'est une autre preuve que finalement les plantes envahissantes, elles ont elles poussent beaucoup plus vite en fait que les plantes endémiques. Là je vois pas de repousse spontanée, mais bientôt il y en aura. Et donc c'est sur ces zones-là que nous on va venir et qu'on va cueillir. C'est-à-dire qu'on va pas planter nous, hein. On va laisser la nature faire. Donc voilà un peu pour vous présenter cette zone-là. On voit c'est comme ravagé, hein. C'est comme un champ de bataille où il y a des bois partout, mais tout ça c'est des bois qui étaient sous les tas en fait de vigne marronne. Comme on voit là-bas, il y a des bois en fait qu'on a coupés, qui sont des acacias qui tombent et qui pourrissent. Bon, voilà un peu pour vous présenter un peu ça. Et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.